Bon, aujourd'hui tranquillou, petit TDU, on va aller découvrir ça. Ok, attendez, de base je changeais les vues moi, ok. Mais là, ça, regardez le volant, comment il correspond pas. Bon, faut rouler avec cette vue là. Je vais où? Je sais pas où je vais. En vrai, au volant, ça se fait bien. C'est quoi ça, parking? J'y vais? Allez, j'y vais. Bonjour. Bah parking, c'est parking. Hein. Parking de Roissy, là. C'est pas mal. Non, en volant, c'est pas mal. Franchement, c'est bien mieux qu'un Forza Horizon au volant. Comment je mets mes clignots, moi? Oh là, ah! Ça va pas être pratique de le faire comme ça, mais... Il y a le retour automatique ou pas? Non. Ah mais il s'enlève tout seul au bout d'un moment. C'est quoi ça? Faut que je fasse quoi? Ah c'est un radar! Épave à proximité. Je sais pas, je me suis senti inspiré de descendre. En fait, Test Drive, c'est un mode trafic assez tôt. Bah, c'est un peu... C'est un peu l'entre-deux entre un The Crew et un Forza Horizon, mais avec un poil plus de simu, je pense, en termes de conduite. Je pense qu'on est là, à peu près, si on doit situer le jeu. Et j'ai trouvé une coccinelle. Mais du coup, oui, un... Vous avez découvert vos premières pièces. Un Seto s'en rapproche, parce qu'un Seto est plus simu, donc... Oui, c'est vrai que je suis en stream, c'est pas pareil. Le Solar Crane vous informe qu'un nouveau communiqué va vous être diffusé. Putain, je me... Le Solar Crane est là pour vous accompagner. Vous pouvez dès à présent accéder à nos ateliers. Les ateliers intégralement automatisés sont à la pointe de la technologie. Vous allez pouvoir améliorer vos véhicules dans le moindre détail. Ah bah voilà, Nico. C'est pour toi, mec. Vous félicite pour vos progrès. Il vous offre des Solar Coins afin de vous acheter votre première pièce. Ne vous inquiétez pas, Alice vous expliquera tout ce qu'il faut savoir. Oh la Delta, je veux une Delta. Oh là là, les framerates. Le jeu s'envole. Attends, faut faire le plein? C'est quoi ça? Ne souscrit pas à leurs restrictions. Ok. Vous ne pourrez pas y participer tant que vous n'aurez pas un véhicule plus puissant. Ouah, il parle mal de l'Alpine. Contre la montre. Circuit. Vas-y, on va faire la course d'abord. Pour les fans arcade, c'est sûrement un bon jeu. Ouais, mais même, t'as même pour les... Comment je... Ah, c'est bon, je sais comment l'enlever. Allez! Oh! Vous êtes arrivé. Ok. Mais qui s'énerve au volant. Alors. Changer de voiture, réglage de la voiture, aide à la conduite bonus 30%, démarrer l'épreuve. Je sens que je vais me faire fumac. Oh, c'est le premier. Oh là là. Oh là. Faut aller où? Comme les yeux, ils faisaient nam, j'ai pas su où fallait aller. Oh, c'est une Alpine qui... Mais y'en a, ils sont déjà partis super loin. Oh, il est garé. Oh, qu'est-ce qu'ils font les IA? Oh, les IA, ça a l'air d'être laborieux. Oh, la musique et tout là. On va là-bas. Putain.
Non, franchement, au volant, c'est pas mal. Hein. Bon, il y aura des réglages à faire, je pense, mais... Ah, franchement, tu rajoutes de l'opti pour enlever cette espèce de petit flou, là. Que je trouve très désagréable. Ce serait pas mal. Bon, après, ils sont en novice. Hein. C'est lié à adaptative. Oh, merde. Putain, la même que tout à l'heure. C'est pas mon virage, celui-là. Allez, let's go. Et boum. Mais bon, en vrai, ils ont appelé ça démo, mais c'est vraiment une bêta. Hein. Franchement, t'as accès au jeu de manière limitée. En avant-première. Avec déjà un peu de multi et tout, moi j'appelle ça une bêta, mais... Attends, je vais essayer de rouler un peu avec cette vue pour voir. Même au volant, je trouve que ça va cette vue. Wouah. Ah ouais, tu vois, quand tu prends le trottoir, c'est... C'est pas un Forza non plus, parce que quand tu prends le trottoir, t'es au courant que t'as pris le trottoir, quoi. Oh, ça va, c'est du... Bon, je préfère quand même la vue intérieure, mais... Ok, je suis à 90% de ce que je vois. Ça a tapé derrière, j'ai entendu. J'ai validé ou pas? Oh. Elle a l'air d'être toujours aussi pétée que tout à l'heure, ma caisse. Hein. Ouais, c'était du contre-la-montre. Nouveau record. J'ai l'or. C'est ce que je vois, la petite médaille en haut. Manque un peu de d'IA, là. Par endroit, quand même. Je suis un peu solo avec les taxis, quoi. Ah, faut mieux peut-être être solo finalement. Oh, what the fuck. Le bordel, il m'a fait une vrille. Triple axel. Oh mon dieu. Triple flip reset. Into putain, into valeur aérienne. Oh la vache, il nous a fait un truc. Oh, mais il y a les taxis qui vrillent. C'est encore pire, lui. Oh là là, la VM... En vrai, la sensation de vitesse... Clean de fou, parce qu'on est à 200 et... Oh, il y a du trafic, là. Ah, oh, mais ça lag, du coup. Du coup, j'ai 20 FPS. Il oh, y a un peu de latence dans le volant. Au niveau des réactions, mais peut-être que l'FPS du jeu aide pas. Se déplacer au volant, c'est... Ouais. En vrai, ils ont réussi à faire ça de manière assez intuitive quand même. Oh, il y a un truc vert là-bas qui tourne, c'est quoi? De manière intuitive quand même, donc ça va, mais... Mais moi, je trouve qu'il y a une petite vibe de NFS dans le jeu, là, ouais, je suis d'accord. Je vais là-bas, il y a un siège vert, c'est quoi? Ah, c'est chiant que je puisse pas courir, quand même. Ah, mais ça, c'est rien. Trésor. Trésor radiant collecté. Ah putain, il y a des trucs à collecter. Allez, viens là, toi. Test de conduite. Qui test de conduite? Ouais, en vrai, les bruits des caisses sont banger de ouf. Hein. L'arbre aussi, là. Le palmier, il était banger. Oh, j'ai 2 minutes. Passe une vitesse. Mais je m'accroupis quand je passe une vitesse. C'est comme ça que j'ai découvert. Oh, le feu rouge. Oh, je peux aller dans le parc? Oui, alors je vous la ramène en bon état, la caisse. Hein. En vrai, c'est les bruits. Oh là là. Bon, y a quand même un gros problème de taxi sur le jeu. L'audio, pour le moment, c'est un vrai banger. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Il y a trois larmes, ils sont débouffés. Hein. À l'IA des taxis, il y a des moments où elle vrille. J'aimerais bien trouver une station essence, moi. Pas de problème, que des solutions. Oh merde. Alors. Bonjour. Ah tiens, pour nettoyer, réparer la voiture. C'est là qu'on la répare. Oh, elle est comme neuve. Je vais garder ma vue capot, je crois que j'aime bien. Ouais, ouais, juste pour le moment, le gros point noir dans cette bêta, c'est que c'est super mal opti, quoi. Oh. Oh le. Stalo. J'arrive, toi, tu vas voir. T'es mal à spi, t'es mal à la taille de l'inspi. Hop. Ah oh, je vais faire une attaque. On optimise la trage. Ouais, on a bien optimisé la trage. Là, il y avait une abarthe, non? C'est une abarthe que je viens d'éclater, je crois. Ah, j'ai du sou, hein. Oh, les dodanes! Ah bah voilà. Ils passent mieux quand on les passe vite, au final. Oh, je fais du drift, attention. Ok, de confiance. Putain, tu t'es au courant que t'as pris un trottoir hein, quand même sur le jeu. Oh, il m'a stoppé le lampadaire. Ok, allez, finito. Let's go! Mais c'est bien, c'est que là en vrai ça va leur donner plein de retours parce que ça sort septembre donc en vrai. Ils vont avoir 2 mois pour corriger tous les petits trucs qui vont pas, en vrai c'est pas mal. Ouais, le jeu est cool, ouais. Les gens aiment trop se plaindre, du coup ils en ont dit du mal, mais. Oh putain! Pour une bêta, c'est propre. Hein. J'aime bien. Hein. Puis bon, surtout, c'est une bêta, quoi, donc. Le Birdman. Donc, évidemment, il y aura des problèmes, mais c'est un peu le but aussi, quoi. Ouais, c'est le 2 mois de marche pour modifier tout ce qui va pas. Oh, les taxis ont un vrai problème, par contre. Il y a un taxi sur 3 qui est buggé. Oh. Attendez, bah on va pouvoir vérifier, tiens. Normalement, là, je peux pas y aller. Ah, vous voyez, cette version... Contenu indisponible. Non. Voilà, contenu indisponible. Ouais. La bêta, tu vas sur Steam, il y a écrit démo, tu peux DL. Oh, attention. Ah oh bah il y avait déjà une stèle, c'était pour moi. Ils avaient prévu le coup. Alors ça donne quoi? Je vais mettre la... Vous êtes arrivé. Ah ouais, c'est joli. Je perds le contrôle. Je perds le contrôle. Hop, appel contre appel. Oh la vache, des fois quand elle regrippe, c'est particulier, c'est instant. Hein. Là, je pense qu'il est concrètement fini, il va juste être
mis en... en épreuve là et ils vont corriger les... globalement tous les bugs qu'on va trouver sur la bêta slash démo quoi. Je pense que c'est surtout pour enlever tous les soucis là. Je pense qu'en termes de contenu et tout c'est fini c'est sûr. Bah pour le moment je pense que je préfère le volant ouais. A voir sur la durée et tout mais... A voir en course déjà. Ouah j'ai bloqué putain. Oh les IA. En fait je pense que c'est pas assez arcade pour jouer confortablement à la manette quand t'as pas l'habitude. Enfin, du coup je me mets à mettre des coups de joystick de zinzin. Oh bah qu'est-ce qu'il fait à l'envers celui-là. Alors, du coup il y avait pas photo, je préférais largement la manette. Oh la vache. Là pas des masses. Je pense que ça va jouer volant. Hein. C'est grave jouable à la manette, je suis pas en train de dire que c'est pas jouable, mais à choisir. Je crois que je préfère comme ça. Oh damn, j'ai glissé, chef. Je pense que je vais rebrancher, hein. Hop, petit clignotant. Oh, les signatures lumineuses du jeu sont incroyables aussi. Bah franchement c'était cool, moi je vais m'arrêter là je pense les petits potes. Mais franchement c'était cool hein. Moi je suis très content. Je suis très content, regarde ça a mis les warnings et tout quoi. Pff, aïe aïe. Bah j'ai hâte que le jeu sorte du coup. J'ai hâte que le jeu sorte parce que franchement, prometteur. S'il corrige tous les petits trucs qui vont pas. Et bah ça promet un très bon jeu.